bien édition, artisanat en fait, côté. Artisanat en fait, 16e édition. Ça c'est artisan là qui exposé Zervio là. Donc bagay naturel, bagay pays. Donc c'est Zerv artisan qui exposé là. On a regardé les gens qui font des placements pour venir acheter, pour venir encourager artisan haïtien. Donc là on a regardé c'est un bel jeu de table qui fait là. Donc c'est artisanat en fait lui-même qui est sous 16e édition dans le pays d'Haïti. Donc la fort vive et exposition certains artisans dans le cadre gros manifestation culturelle ça qui fait chaque année et jeudi à c'est dans Caribe Convention Center, c'est là artisanat en fait l'a déroulé pour 16e édition mesdames messieurs. Est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à présent de 8h là à 1h là? Il y a encore tôt, je dis, hein, 8h à 1h, nous avons pas fait un bilan vraiment de journée, hein, mais jusqu'à présent ça va. On peut dire ça va. Pourquoi tu exposes votre là? Non, nous exposons porte-cœur, porte-clé, fleurs, nous faisons bouquets, nous préparons des branches pour nous embellir. Je nous dis, nous travaillons avec un papier très spécial, c'est pour amis. Pour amiens, c'est un matériel très durable. Je nous ai la fleur, nous avons la barbe, très très durable. Nous même mouillé, nous avons pas détérioré. Donc c'est ça que nous présentons aujourd'hui. Comment ça y est pour le cas de société? Ça va jusqu'à présent, ça va. Et je nous dis, nous avons visité, nous avons acheté, nous avons encouragé, nous avons pas acheté, nous avons encouragé. Non, ça va. À qui matériel nous fait activité ça? À qui matériel nous fait décoration ça? Nous travaillons en papier bien spécial. C'est un papier. Nous transformer qui tourne fleurs, qui tourne porte-cœur, nous avons barrettes, nous avons plumes. Tout ça, c'est à base de papier ça pour nous faire. Papier avec des faux amis. Okay. Nous avons dit que la barbe est très durable. Donc c'est plus dans la décoration nous-mêmes? Oui, nous plus dans la décoration, mais nous entrons dans tout type de décoration. Ok, et mariage, graduation. Bien sûr. Donc nous-mêmes, nous c'est qui entité nous représenter donc? Nous, c'est PPM Fleur et Décor. Nous l'attendons pour 10 ans. Nous existons depuis 10 ans. Donc nous avons participé dans l'artisanat en fait depuis l'année 2016. Ok. C'est un plaisir. Merci. Bonsoir à tous, je tiens à présenter la question.
troisième épisode. Je suis venu à la galaxie, à une terrasse, et je vais venir à Amla. Je ne sais pas si je vais venir deux ou trois fois, je vais venir à la galaxie, je vais venir à l'Alea. Et puis, je suis compatible avec Alea, vous avez participé, qui j'en sais. Positif et louable dans le contexte que nous vivons, côté que l'insécurité sortie pour taboyer tout bagaille, prendre tout bagaille en otage. À chaque fois que nous avons un compatriote, nous haïtiens, nous avons un bagaille positif pour valoriser le pays, valoriser le peuple haïtien. C'est des bagailles qui méritent d'encourager, quitte ces jeunes, quitte ces étudiants, quitte ces journalistes, quitte ces artisans, quitte ces écrivains. Nous pensons que c'est des bagailles qui voient des signaux très clairs qui montrent que. En Haïti, ce n'est pas seulement kidnapping qui gagne, en Haïti, ce n'est pas seulement corruption qui gagne, en Haïti, ce n'est pas seulement insécurité qui gagne, mais en Haïti, il y a des gens qui pensent payer encore, il y a des gens qui pensent payer, il y a des gens qui travaillent pour payer ça, rester sur la carte du monde. Qui prend l'impression de 15 minutes? Il y a un bagage qui commence très bien, moi, j'ai visité plusieurs sites, moi, ouais, c'est des bagages qui sont originales, et je pense que malheureusement, le climat de sécurité n'a pas permis pour nous de recevoir un peu de touristes qui sortent à l'étranger. Mais l'insécurité a empêché tout que les touristes en local interne développent dans le pays. Mais quand même, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et je pense que c'est déjà c'est un bon succès pour les organisateurs. Pour ce délai, c'est une situation difficile pendant l'année. Et qui message vous pouvez gagner en fin d'année par rapport à la situation sociopolitique du pays? Bon, message, nous, c'est à souhaiter que tous les droits de l'homme prennent en compte les droits civils, politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, le droit et à la vie respecté, parce que pendant l'année, là, nous avons plus de 53 ou 54 policiers qui tombaient. Nous avons commencé l'année avec l'assassinat de deux journalistes, un confrère du côté de la boule douce. Et nous ne connaissons pas l'année pour finir encore sur des cas d'assassinat. Nous avons souhaité que nous avons une nouvelle année qui porte un autre espoir, qui porte beaucoup plus de respect pour les droits de l'homme. Et qui est capable de permettre que nous ayons développement, et nous ayons développement touristique, nous ayons développement économie nationale, qui est capable de permettre nous ayons stabilité par rapport à groupe d'un cap dégradé. Donc bref, nous pensons que pour nous arriver dans la question de ça, eh bien, il faut que l'autorité comprenne qu'il faut placer la question des droits de l'homme au centre de tous les débats, de toutes les discussions et dans tout programme que nous avons défini pour Haïti. D'accord, merci. Merci beaucoup.
passer, nous avons mis des tests en place. Même nous n'avons pas fait de chantage, nous sommes quand même. Nous sommes quand même. Nous n'avons pas essayé. Nous devons essayer, nous devons essayer. Nous devons essayer. Nous devons essayer à la boîte de la prochaine fois. Nous devons aller dans la pizza. Avant, Ça c'est artisan là qui exposé zervio là donc bagaille naturel bagaille pays donc c'est zerv artisan qui exposé là la gagne monde qui fait déplacement pour venir acheter pour encourager artisan haïtien donc là on a regardé c'est une belle jeu d'étape qui fait là
Donc c'est artisanat en fait, lui-même qui sous 16e édition dans le pays d'Haïti. Donc la pour vivre et exposition certains artisans en cadre gros manifestation culturelle ça qui fait chaque année. Et journée jeudi à c'est dans Caribe Convention Center, c'est là artisanat en fait l'a déroulé pour 16e édition, mesdames, messieurs. Thank you.